Hop. Alors, un autre bol avec 200 quais et une Showaginrin. Enfin, un Showaginrin, pardon, pour les puristes. C'est un mâle. Ouais, c'est un mâle. Vraiment, je le trouve vraiment très très beau. C'est vraiment, un très joli poisson. Quoi. Le rouge est. Ah, le rouge est magnifique en fumée. Il est vraiment très très beau et le Guinrin est vraiment à souhait. Quoi. Ça, c'est un poisson qui vient de chez Koda. Superbe. Et puis, sur les nageoires, il y a une symétrie au niveau de Motoguro. C'est joli. Hein. Là, deux autres poissons de Sanke. Alors, il y en a avec un petit couchi bénite derrière les fagots. Là, celle-là ouais, ah oui. Ma foi, je la trouve plutôt mignonne. Oui. Elle a surtout une bonne tête, hein, ici. Un très beau fumier. Hein, vraiment très très noir. Donne-moi les dimensions, ça vient. Ça fait un petit 50, 47 peut-être. Ok. Et puis ça fait 55, 56, les deux là. Quel âge près, hein. Alors c'est un Nisai et ça c'est des 216. Voilà. C'est des poissons sur celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Je trouve qu'il y a vraiment un rouge, un i vraiment très 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 beau. Quoi. Enfin, celle-ci a un noir absolument waouh, c'est de l'encre. Hein. Oui, le sumi est bien sorti, c'est très joli. C'est magnifique. C'est magnifique, il y a un peu guinrin aussi. Mais beaucoup moins que la Showa. Hein.